Soit les organisateurs, soit certains organisateurs, ou quoi, organiser peut-être une réunion publique et un débat, parce qu'avec tout ce qu'on entend sur le sujet, ça serait bien de faire une rencontre, un débat public et contradictoire, et dans les règles normales du débat entre gens de bonne société. Parce que je pense que ça serait quand même utile, plutôt que de faire ça, mettre au point certaines choses, confronter un peu nos idées. Parce qu'on voit la connerie d'intoxication à laquelle on a eu part depuis pas mal de temps. Qu'on voit les contre-vérités historiques qu'il y a eu, que Poutine, par exemple, a déversées. Ça serait bien de voir ce que l'on en pense. Voilà, donc je vous lance... le marché. Voilà. La structure qu'il y a avec beaucoup de sensibilité est à maintenir. Je crois que c'est une spécialité un peu arlevenancienne, mais c'est... Ce qui serait justement intéressant, c'est de confronter les sensibilités pour voir, parce qu'elles ont totalement une raison d'être. Quoi. Moi, je pense que l'idée d'une soirée débat serait bien, très bien. Oui. Ouais. Et même tenter de convaincre une famille ukrainienne pour la protéger, il faut le voir en 6 ans. Je pense que s'ils acceptent, bien sûr, ce serait un témoignage très très important de ce qui se passe là-bas, mais de ce qui s'est déjà passé. Donc je pourrais m'occuper de contacter. Après, je n'aurai pas le temps de m'occuper de une salle ou autre, mais... Ça pourrait être aussi une décision des gens qui sont là. Ouais, mais ça engage que les gens qui sont là, tiens. C'est tout décidé ici. Mais soit une salle, soit... comme le printemps arrive aussi, on peut faire aussi à l'extérieur avec... mégaphone, public adresse, ça peut se faire aussi à l'extérieur. Enfin, tout dépend de la durée, ce que... Voilà. C'est à étudier en tout cas. C'est...